Ok les gars, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire petite vidéo astuce, hein, pour ceux qui caleraient dans ce jeu. Hein. Allez, je vais vous montrer. Je vais vous faire une petite astuce pour le château. Donc voilà, hein, ici il n'y a rien à fouiller, c'est ici. Donc quand vous avez eu l'écarlate, posez-le ici. Vous allez faire ça, elle va arriver. Laisse-moi te prendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Aucun des deux. Oh, je ne peux plus m'en faire. Voilà, donc quand vous avez fait ça, il faut courir dans la chambre et arriver ici pour enlever les planches et pouvoir venir. Donc si vous voulez voir, hein, je l'ai fait. Un let's play dessus. Petite ferraille. Toujours ça, hein, des petites ferrailles et de la musique. Et là, on voit Lady Dimitrescu. Elle bloque à chaque fois la porte. Cette porte est impossible à ouvrir vu que derrière il n'y a rien. Donc n'allez pas foncer dedans pour essayer de trouver. Essayez de trouver partout les moyens. Ça ne sert absolument à rien. Vous ne trouverez rien. Cette salle est vide. Donc je fouille pas tout si vous voulez. J'essaierai peut-être de faire un épisode comme ça. Mais pour l'instant, je ne fouille pas tout. Comme vous voyez pour le pistolet, je n'use pas mes balles pour être un peu plus technique. Voilà, donc ça, il faut juste taper la lanterne pour allumer les flammes et ça va ouvrir cette porte. Elle va vous emmener dans cet endroit. Alors ici, ça sert à fouiller. Vous allez arriver ici, il va falloir passer par là, là, passer par là, passer par là. Et puis en passant par là, vous allez tomber sur des zombies. Alors là, voilà pourquoi il faut garder ses balles, par exemple plusieurs. Et tout se tuer après. Ne pas tout se tuer, mais voilà, là il va vous faire des dégâts un peu. Faut courir. Par contre, je suis à pompe, c'est très bien. Voilà, je vais charger. Non, voilà, vous avez réussi. Okay, vous êtes passé dans le moment un peu chiant. Donc ici, il vous faudra une clé spéciale. Donc vous allez aller par là. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Donc là, il y a l'autre là qui parle de Cassandra. Donc Cassandra, elle dit... on peut là, c'est pas comme ça. Quel supplice préfères-tu? Donc là, il va vraiment... Hein, si vous protégez pas, il va faire bien plus de dégâts. Quoi. Si je fais gaffe, si je fais une merde, je vais prendre un peu moins de dégâts et courir. Alors il faut toujours garder de balles, pour ça que j'en ai gardé, c'est parce que je savais qu'il allait avoir un problème et que ça allait m'attaquer. Normalement, après avoir fait ça, il y a le premier boss fight contre. Là c'est le premier boss fight, hein, que vous avez dans le jeu, normalement. Vite, c'est dedans, vous allez tuer. Oses-tu t'attaquer à nous? Parce que là, moins puissant à tuer, hein. Je crois que c'est moins puissant du tout. Elle est assez simple à tuer, mais c'est juste la fenêtre.
J'arrive pas à y croire. Oh, ah, voilà, elle est morte. Donc voilà, j'ai tué la première fille. Maintenant que vous l'avez tué, il va falloir courir. Trouver un peu plus de stuff. Là, vous allez trouver le sanguis virginis, donc la bouteille qu'il vous faut dans la chambre à bain. Elle baigne dans le sang de 22 vierges. Pour lui donner un goût un peu meilleur. Je sais pas, je n'y connais pas en vin, donc voilà. Donc après avoir fait ça, vous allez trouver cette caisse. Et vous permettre de trouver un compensateur de recul pour le lemu. Voilà, vous allez l'équiper au lemu et vous allez avoir un compensateur un peu plus, un truc un peu plus puissant. Donc là, avec cette porte, vous allez l'ouvrir. Mais avant, parce que il y a toujours des trucs à ouvrir. Ici, il y a un crochetage. Utilisez le crochet pour vous couvrir celle-ci. Nous ouvrons ça et vous trouvez un ange en bois. L'ange en bois, il se vend. Voilà, l'ange en bois se vend au duc. Ici, il faut la clé de la cour que vous n'aurez pas avant un petit moment. Enfin, vous l'aurez quand vous arriverez enfin à trouver. Vous arriverez quand vous l'aurez quand vous aurez posé le sanguis virginis à l'endroit où il faut le poser. Donc il va falloir aller tout là-bas. C'est dans la salle à vin. Je vais poser le sanguis virginis juste ici. Après l'avoir posé, ça va ouvrir ça. Ça va faire ça. Et normalement, vous arrivez ici. Ça va bientôt déclencher le deuxième boss fight avec la deuxième fille. Car vous avez trouvé la clé de la cour. Voilà. Donc en arrivant ici, il faut juste retourner à la cour. Normalement, une des filles va arriver. Je te fais visiter. Voilà. Là, vous mettez la clé de la cour. Ça va ouvrir. Il va falloir prendre un peu de temps. Et vous arrivez enfin dans la cour. Cassez ça pour récupérer une plante et toujours vous créer un fluide. Un petit soin. Comme ça, regardez, si on pivote, alors essayez de vous faire un max de place juste pour être un peu plus tranquille au cas où. Les pièces détachées, ça reste utile pour créer des balles de pompe et des explosifs, je crois. Je crois que les explosifs c'est des plantes qu'il faut pour les explosifs, si je me sens bien. Donc allez, ici il faut la clé Dimitrescu que nous n'avons pas, nous avons juste eu la clé de la cour. Nous n'avons plus d'ailleurs car nous l'avons utilisé et que vu que c'est la clé de la cour, ben il n'y a pas 50 cours ici. Franchement, pour un grand château, il n'y a rien. Ici, vous arrivez, ça va ouvrir une porte. Qui vous emmène là, vous allez voir Lady Dimitrescu. Alors ne vous inquiétez pas, elle va pas vous attaquer. Elle commencera à vous attaquer seulement quand quand vous aurez tué les deux filles ou les trois filles, je ne sais plus. Je crois que ouais, c'est après l'avoir vu parler au téléphone, donc après avoir tué la deuxième fille, que vous pourrez enfin, qu'elle vous poursuivra enfin. Sans relâche, même si bon, ça va aller assez vite, si vous connaissez tous les endroits. Qu'est-ce que tu as fait à ma
Voilà, elle s'énerve. Là, vous avez la partie haute du château en carte. Donc là, ici, c'est simple. Donc vous avez les 10 dimensions ici, je vais vous expliquer. Donc, quand les femmes sont insensées aux avantages des hommes, les paysans comme le seigneur. Donc, ce qu'il faut faire, eux, faut les laisser comme ça. Elles, faut mettre ça. Ah non, non. Donc, il faut faire ça. Ça. Comme ça, donc la Vierge avec le vin doit regarder Lady Dimitrescu. Eux doivent donner à Lady Dimitrescu les trucs. Et donc, le cavalier doit être ici, je crois. Donc le cavalier doit être ici, non? Je sais plus. Je crois que le cavalier est ici. Que eux sont ici. Donc eux voulaient pivoter là. Donc ceux-là, en fait, doivent donner au chevalier. La dame n'accepte pas. Les avances et... Peut-être... Non, je pense pas. Elle, peut-être, je me souviens plus, mais je crois qu'elle est là. Voilà. Donc, Lady Dimitrescu doit regarder la Vierge qui donne le vin. Qui va devoir tourner le dos au cavalier. Et eux doivent donner au cavalier les choses. Donc, ça va vous débloquer ici la salle. Vous devez descendre. Vous allez arriver ici. Voilà, comme vous allez arriver ici, c'est bon, vous allez arriver dans une salle avec beaucoup de sang, mais normalement, vous, là, c'est quand vous approchez d'un boss fight, hein. Je crois qu'il y a quelques mobs qui vont vous tomber dessus. Enfin, vous tomber dessus, pas vraiment vous tomber dessus comme ça, mais quand je dis vous tomber dessus, c'est qu'ils vont arriver. Donc, il va falloir passer par là. Voilà, vous voyez, un monstre déjà, faut passer au-dessus. En fait, moi, ma technique, c'est de passer quand ils tombent. Quand ils sont tombés, faut courir. Puis, quand vous leur mettez une petite balle dans la tête, ils vont être un peu aveuglés. Comme ça, et là, faut passer. Casser toujours les boîtes, parce qu'ils tombent, parfois, vous pouvez avoir des balles de compte. Et des trucs comme ça. Donc là, je me suis arrêté, il m'a mordu vraiment. Je ne savais pas qu'il pouvait mordre, je ne me suis jamais fait attraper d'une autre manière qu'avec une lame. Régulièrement, c'était plus le coup de lame. Qui venait. Voilà, c'était plus fort que venait quand j'ai vraiment coup de je vais vous réparer. C'était le coup de lame qui faisait assez mal quand même. Voilà comment tuer les trois quarts des mobs en quelques secondes. C'est mieux que la balle de pompe quand ils sont tous regroupés. Deuxième fois, ça je me suis jamais fait mordre en fait. Juste plus pareil. Voilà. En vrai j'en ai buté quelques-uns. J'ai pas le droit non plus. Depuis balle. Eux mordent, je crois. Ouais, eux mordent. En fait, ceux qui n'ont pas d'armes vont mordre, alors que ceux qui ont des armes vont, la plupart du temps, vous attaquer avec les armes. Donc, essayez de tuer le plus possible, alors quand vous avez déjà mis quelques balles, c'est déjà un peu plus simple. Et puis, regardez, ils donnent des crèmes cristallisées, des pièces et tout ça. Si vous avez fait ma technique de garder un max de balles sur vous, vous pouvez vous le permettre. Ouais. Vous pouvez vous en permettre d'utiliser un peu de balles. Et donc là, on arrive enfin à ce moment. On va devoir passer par là. Et là, voilà. Donc, non, vous n'avez pas encore fait la deuxième. Moi, j'aimerais avoir quoi de la boutique? Rien, pourquoi? Moi, j'aimerais avoir quoi, mais Nika, là. Ah ouais.
Donc là, Elle est trop voilà, belle, c'est un skin parler, tryharder, est-ce qu'il voit? tout Ils ça. disent le skin, c'est un skin tryharder. Ah, donc il faut falloir prendre des trucs. Là, vous avez encore des pièces. Les leilles, hein, très important. Car si vous voulez acheter les armes infinies, vu qu'il faut quand même les acheter avec des leilles, essayez d'en avoir le plus possible. Alors ici, il va avoir la clé. Donc la clé de Dimitrescu sera mise ici. Après, il va falloir ouvrir la porte avec. Voilà, donc après, elle va vous faire tomber. Donc l'autre va y arracher, c'est toujours. Il va falloir trouver un moyen donc, par là. Donc après, voilà, prendre des munitions de pistolet. Après, j'ai quand même un peu de chance, hein, quand même. J'ai un peu de pistolet, parce que je vais pas vous mentir que je suis en normal pour celle-ci. Et du coup, bah, en normal, j'ai fait ça, voilà. Donc là, normalement, elle vous coupe la main. Ah non, pas celle-ci. Parce qu'à un moment, avec une porte, vous allez ouvrir une porte, elle va vous couper la main. Bah, ici. Là, vous êtes en mode tranquille. Vous allez aller là, ok. Vous allez activer le truc. Elle va vous couper la main. Je vais t'apprendre à insulter la famille. Elle te lâche, je vais apprendre à insulter la famille. Donc ça va, c'est un peu un monsieur X finalement. Vu qu'elle prend elle marche, elle va pas te couvrir après comme un Nemesis. Donc là du coup elle va falloir ouvrir ça, la main va être coupée, donc Lady va venir, elle va falloir passer par là. Bon après oui elle va vite quand elle va vous taper. Elle va essayer de vous taper et elle va aller vite. Donc elle te parle, après franchement. En fait, Lady Di, elle est plus là pour un peu vous faire stresser. Mais franchement, quand t'as fait le jeu une première fois, voilà. Tu veux un cadeau ? Non. Ouais, je peux t'en faire tout ce que tu veux. J'ai 2000 de bug 800. Non. Moi, je me rappelle quoi comme boutique Catwoman Zero. Ça ne te mènera nulle part ! Voilà, elle va commencer à vous poursuivre, même si vous allez aller très vite quand même aux salles suivantes. Et la famille, c'est le Shuka. Mais du coup, la question, comment il faisait pour se recoller et tout, vous avez bien vu que il n'a plus la trace qui s'est fait en se décrochant la main. C'est bon, je me casse. Et il n'a plus la sorte de ligne à cause des sortes de faux qui lui ont accroché. Et donc voilà, donc il meurt. Hein. Et du coup, ça explique qu'il a de la moisissure en lui. C'est pour ça qu'il arrive à toucher les deux membres et tout ça. Et donc c'est ça qu'il a survécu parce que normalement il s'était fait tuer par. Normalement il s'était fait tuer par Jack Baker. 27, c'est ce que vous voyez dans la fin du jeu. J'espère que je vous spoil pas trop, mais de toute façon. J'ai enfin débloqué le skin Fortnite! Mon gosse est assez. Voilà, c'était mon swag. Mec! Quoi? Je peux te dire? Quoi? Je peux. Non, rien. Elle est ultra bizarre. Donc, ça sert à rien d'utiliser toutes ces balles. Moi, je les utilisais juste parce que là, il fallait que j'ai un. Parce qu'il faut quand même que j'ai un vide. Donc, là, ici, il va falloir faire les notes. Les notes de musique, c'est très simple. En fait, vous allez appuyer sur une touche, par exemple, ici. Et vous allez voir qu'il va falloir monter. Comme ça. Là, ça a mis un. Donc là, faut un peu descendre. Ça va mettre ça. Puis un peu monter, comme ça. Puis un peu descendre, comme ça. Puis rester comme ça. Je peux faire comme ça, descendre de 2. De 1. Et puis remonter de 1. Monter de 1. Et aller là, là. Boum! Et voilà. Cécilia! Cécilia, t'as fait ton compte? Vous avez la clé en fer forgé.
Donc ça, c'est vraiment des étapes qui sont importantes, donc ça, on s'en fout, j'ai lu, de toute façon, dans le replay. Non, mais t'as pas compris. Donc là, il y a les portes hein, qui sont bloquées. Maintenant, vous pouvez l'ouvrir avec la clé en fer forgé. Juste la retrouver. Je pense que normalement, Lady Dimitrescu va arriver un moment, mais elle va juste vous poursuivre. Ça sert à rien d'essayer de la buter. Vous ne pourrez pas. Par contre, eux, quand vous aurez vos balles de pompe, si vous arrivez à les trouver, utilisez tout de suite sur eux. Car ils vont être un peu énervants, je ne vais pas vous mentir. Donc là, oui, elle va arriver ici. Ça sert à rien d'essayer de la buter. Elle va juste. Espèce d'un truc répugnant. Répugnant, allez, allez. Ah, on a la technique que j'ai. Ah, et puis... elle peut venir en bas, je crois. À moins qu'elle descende. Ok, non, elle peut venir en bas. Donc elle va venir. On peut vous poursuivre. Ça va être. Je suis bien. Même moi. Donc ouais, quand elle va sortir ses griffes, elle va faire un petit pic de vitesse. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller le plus vite possible dans les salles où il faut. Donc là, elle passe par là, donc c'est pas, c'est logique qu'elle passe par là vu que c'est ici qu'on doit ouvrir la porte. Et vu que je l'ai passé comme ça, ça passe easy. Easy juicy busy easy. Je sais pas pourquoi je ne sais pas. Donc là, ça va être le deuxième fille à attaquer. Okay. Donc ici, il va falloir accès, il va falloir mettre ce truc pour lui faire des dégâts et la buter. Tu veux vraiment me tuer? Ouais, on va le buter. Maintenant, ça va commencer à balader. Voilà, c'est maintenant ça va se fermer. Donc, quand ça va se fermer, elle va se cacher, là elle va sortir de balle, non je vais me vider. Là, elle va revenir en paix, là, elle va la okay. Donc je vous conseille d'aller fouiller tout vraiment, car ça va vous user beaucoup de balles quand même. Ras-le-bol des insectes. Donc voilà, Luigi, voilà. Est-ce que Luigi qui parle encore avec toi? Ouais, pourquoi? Parce que j'en ai, je joue pas, mais... Parce qu'en en fait, il parle pas, il parle presque pas. Ouais, regarde, c'est pas YouTube. Eh, mon pote, tu vois mon pote Hugo? Ouais. Hugo. Ouais. Eh ben, il a 10 ans, il a déjà un GTA 5, et sa mère, elle se rend même pas compte, non, il a... Sa mère, elle se rend compte qu'il y a du club de strip. J'ai dit, madame, votre fils... Vous avez acheté GTA 5 pour rien parce que déjà il y a du club de strip et ils peuvent toucher la femme. Du coup, faudrait le supprimer. J'ai dit quoi? Non, mais il se fout de ma gueule, lui. Je me dis dans ma tête. Elle dit non, mais ça va aller. Mais dis non, mais Starful, cette mère, elle a rien compris. Après, il arrête. Je me dis, oh bah c'est le moment de le faire battre. Je le ban avec Sony. Ah, du coup, ici, il va falloir regarder. Ça vous dit, faites sonner les 5 cloches. Alors, une est ici. Tirez sur celle-ci. Une est juste ici. Je vais aller sur Apex. Ah, une est sur la... Non, je parle de la reine, je parle de la reine. Une est là-dessus, donc vous tirez dessus comme ça. Voilà. Il y en a une qui est dans les mécanismes. Donc là ça va descendre. On va tirer. J'ai raté. Touché. Et s'il y en a qui sont bloqués ici, qui se disent ouais mais c'est où, je trouve pas. Je vais vous montrer ça. Donc prenez toujours les balles, hein, c'est important. Vous pouvez, je vous rappelle que vous pouvez casser les trucs avec le couteau. Les fenêtres, vous pouvez les casser. Allez. Avec le couteau. Et là-bas, il y en a une. Et moi je travaille à la fin. Et voilà. Ça va faire ding 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 et ça va ouvrir le tableau. Alors moi je pensais plus que qu'il allait bouger, le cadre allait bouger, mais finalement il s'ouvre. Alors, même dans ce tableau, hein, les jeux, parce que... Du coup, ici on va faire j'arrive le troisième boss fight. Ah. Donc là on va déjà avoir la troisième fille à attaquer.
enfin après, parce que là du coup vous êtes ici, vous allez monter, et là je vous explique pourquoi j'ai fait ça, hein, pourquoi je range mon stuff pendant des minutes et des minutes. Parce que déjà. Non. J'ai dit pendant des minutes et des minutes. Donc pendant des minutes et des minutes, j'ai rangé mon stuff. Voilà. Pour prendre ce sniper. Donc n'oubliez pas de fouiller tout, car tout est très important dans le jeu. Alors, moi, il y a des trucs que je ne fouille pas et que j'arrive pas. Hein. J'ai pas de chance. Alors ça, ne les tuez surtout pas quand ils sont dans les airs. Tuez les plus quand ils sont juste en face de vous et qu'ils sont sur le sol. Comme ça, vous pourrez toujours récupérer ce drop. Car sinon, vous êtes un peu dans la merde. Hein, j'ai pas... Et là, on va faire des tirs qui sont prêts. Avec le pizap, hein. Le sniper. Le sniper est un peu énervant pour aller plus près. Donc, vous ne pouvez toujours pas créer des balles de. Vous ne pouvez pas encore créer les balles de fusil à pompe, vu qu'elles sachent que du but, vous reverrez. Frère, c'est mon spawn, dégagez du spawn. C'est quand Lady Di va demander à Cassandra de bah ouais, mais il est plus bande que moi. En même temps, là, vous avez déjà tué deux sœurs. Ah merde, j'ai plus de balles. Je vous faillais plutôt, mais je m'en rends plus compte quand j'ai plus de balles. Et là, une autre salle cristallisée, essayez d'en trouver le plus possible. Le mec, il bosse pas, mon mec, putain! Le mec, il monte d'où, il a pas de construit? Le mec, il est en bas? Et tu t'en fous? Très grosse balle. Vas-y, je me fous de la règle. Non, pas les deux. Vas-y, je peux plus faire une petite balle. Tu l'as vu, Traya! Ils vont pas beaucoup faire de dégâts. Donc prenez beaucoup de thunes aussi, car la thune là il est très utile. Donc là il va avoir plusieurs gargouilles qui vont nous attaquer. Donc là en fait, ça peut neutraliser au moins. Celle-ci est morte, vous avez des ailes. Celle-ci est vraiment morte aussi et elle vous donne de la thune. Donc il y a quelques-unes qui vont vous donner de la thune, quelques-unes qui vont vous donner des ailes cristallisées. Qui se vendent cher. Donc ici vous pouvez vous mettre hein. Tirez là tout le temps dedans quand ils sont par terre, car à tout moment ils sont pas morts et ils se relèvent. Il faut casser tout ici, faut les casser. Tout ce qu'il y a ici faut les prendre et les casser. Car vous pourrez pas revenir. Hein. Après vous pourrez pas revenir car elle va se casser. La tyrolienne va se casser. Hein, et regardez, boum, elle s'est cassée. Un nouveau masque, le masque de la colère. C'est donc ici. Alors là je fais un tuto pour une partie du château. J'avais déjà commencé un peu le château. Voilà, vous voyez. Heureusement là je l'ai indiqué parce que sinon là je vois rien. Voilà, ils ont procédé, c'est comme dedans, voilà. S'ils n'arrêtent pas de bouger et qu'ils font pas comme ils viennent faire là, ben ils sont pas morts. Donc là on va faire activer les échelles. Vous allez descendre. Tac. Voilà, vous avez atterri, tout ça, tranquille. Vous allez devoir fouiller un peu tout ce qu'il y a. Frère, c'est le spawn, frère, c'est mon spawn. Et le skinneris. Mais du coup, là, activez ce truc. Entrez. Et lui, descendez. Tiens, je te jure, si j'ai pas d'arme, le mec, il me l'avait. Je pète un peu, je vais sauter ma plaine. Je vais la faire cramer. Donc là maintenant vous allez arriver ici, hein, ça va ouvrir.
Il va falloir aller quelque part. C'est un peu où il faut aller. Je pense. Secrétaire ici, ouais, le vestibule. La porte crochet. Vas-y, lui, ce qu'il y reste, il va venir, il va se faire éclater par moi. Parce que le mec qui met. Moi, faut aller dans la salle du marchand. Car il vous manque un masque, je crois. Ouais, il vous manque un masque, donc allez dans la salle du marchand. Stupidement! Mortel! Déjà, pour me chasser, tu as beau courir! Tu es condamné! Voilà, heureusement qu'elle peut venir ici, car sinon j'aurais été un peu mal. Ce n'est pas tous les gens dans le palais. Il faut courir là-bas. N'inquiétez pas. Il va falloir aller chez le marchand. On arrive chez le marchand. Je vous propose de nouveaux services. Venez. Bienvenue. Bon, ils vont toujours pas, hein, mais c'est ça. Ils vont toujours pas les armes, donc on va prendre les pistolets. Les ailes aussi, le buste, les verres carmin, l'ange en bois, et vous avez vu déjà qu'on peut compter 36 000. Acheter ça. Toujours bien, hein, le mien avec plus de balles. Toi, tu étais niveau combien, Loïc, quand tu étais presque niveau 100, mais saison 5 90, je crois. T'as le seum ou pas de pas avoir le palier 100? Non, vu que c'était presque rien, mais bon. Donc l'inventaire est. Moi j'adorais le palier 100 niveau 5 avec la cape et tout. Mon skin préféré. Après, améliorer la capacité de vos pistolets. Un instant, je vous prie. Et la capacité de votre fusil à pompe si vous pouvez. Moi je veux améliorer le rechargement. Et donc c'est vous un avez. Ça, revenez quand. Donc là vous n'avez pas la boule. Eh, Loan il dit que la Renegade Trader c'est normal parce que c'est que de la chance qu'ils ont les mecs. C'est juste de la chance. C'est juste de la chance parce que quand tu vois, est-ce que tu connais Anatomix? Ouais. Ça c'est juste un mec qui a acheté un compte ou il a pas acheté le compte, mais c'est sûr c'est un mec qui a fait quoi? Bah à mon avis il a eu le compte. En gros c'était son parce qu'il y a des potes dans mon dans ma classe qui a en gros son frère. Cette fois c'est là. Fa Ethan Winters. Ne bouge pas! Il va falloir aller. La chambre à coucher, je ne sens pas. Donc on va plus aller là. Il faut aller en haut, la cuisine, je crois. On va peut-être aller par là, je ne sais plus. Pour aller au vestibule, non. Donc faut passer par là et aller à la cour. Donc faut courir vers la salle à manger. Pour aller dans la cour. On va falloir monter. Rouge à lèvres. Objet de valeur, on va examiner. Donc c'est ça qu'elle fait si je m'engage. Salle du plaisir. Non, en fait, fallait aller je là. Je pars à 7h.
Vous allez voir qu'on va tomber dessus très rapidement. C'est Didi. Et Didi arrive quand même assez rapidement. Donc on va falloir l'attirer. Vous allez voir que... En fait, c'est juste une question de place dans la salle. Si t'as pas de place dans la salle, bah, tu pourras pas passer à côté. Oh, sais-tu qu'un ventre ouvert laisse échapper de la vapeur comme une bouilloire? Ah bon? Une mort peut faire tes meilleures pâtes dans un estomac coupé de quelqu'un. Bon. Elle m'apprend quelque chose là, les Didi. Franchement, les Didi m'apprend quelque chose, hein. Je ne savais absolument point. Tu essaies de m'ouvrir l'appétit, c'est ça? Pas du tout. Ah ouais, donc voilà, là elle va te poursuivre, vu que c'est un peu son endroit à elle, quoi. Elle va te mordre, le but. C'est un peu chaud de l'esquiver. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Et là, vous avez le dernier masque, qui est le masque de... c'est le masque du plaisir, voilà. Alors, je vais vous expliquer une technique, parce que moi, je me souvenais des emplacements. Mais si vous voulez savoir une autre technique, c'est ça. Regardez derrière et vous allez voir les embouts pour savoir lequel va dans lequel. Voilà. Est-ce que j'ai appris en regardant. Une bague en argent, je sais plus. Je vais regarder. Regardez toujours hein, quand vous avez des trucs genre une bague en argent, tout ça. Donc celle-là, non, je peux rien enlever parce que regardez pour la bague écarlate. Si on regarde pas dessus, si on n'aurait pas regardé, bah on n'aurait jamais pu avancer du coup. Le bague avec un œil écarlate, si tu regardes, tu peux avoir un œil écarlate. Why? Donc, faut toujours regarder, toujours examiner les objets, parce qu'à tout moment, tu peux avoir quelque chose. Donc là, il va falloir prendre tous les loots car les bombes. Avant moi. Ah merde, c'est débile. Voilà, donc je peux créer des balles de ping. La chasse est cachée à côté de toi. Regardez, donc là, Cassandra, elle est en train de me piquer. Mais écoute la merde. Là, faut que je mette une balle. Pareil, les vampires de base n'aiment pas le soleil, elle n'aime pas le froid. Le froid, ça lui dit. Tu n'échapperas pas! Tu es pas froid! Ok, donc là, vous voyez, ça va falloir prendre. Et vous voyez, ce fameux trophée de chasse. Examinez-le, car grâce à ça, vous pouvez sortir. Parce que regardez, vous allez interagir. Vous allez avoir le crâne d'animal. Regardez derrière, quatre embouts. Bizarrement, les quatre embouts du masque de la joie. Vous savez pourquoi? Parce que il va vous, parce que sans que le masque soit posé, vous êtes bloqué. Et vu qu'il y a quatre embouts, avec le crâne d'animal, ça devrait me permettre de sortir d'ici. Bam! Donc là maintenant elle va juste redescendre, donc elle va vous foncer dessus. Parce que les trois filles, elles sont butées. Donc parfois t'as la fameuse cinématique de Cassandra et la perruque. Pouvoir faire disparaître la lignée des Dimitrescu, un avorton comme toi. C'est pas que je pense pas, c'est que je l'ai fait une fois. Donc ça me dérange pas de le faire une deuxième fois.
Masque du plaisir. En vrai, Lady Di est très simple à monter. Très simple à... le passage de Lady Di est quand même un peu plus simple que le passage de Beneviento. Enfin, le passage de Beneviento, il est peut-être... Et voilà. Comment partir du château en 40 minutes. 40 minutes pour partir du château. Bon, vous allez voir, hein. C'est pas la fin, je vais vous montrer aussi le boss fight. C'est assez épique d'ailleurs, hein, pour un boss fight, franchement. Tous ceux qui sont chauds pour maintenant une battue, venez dans la vocale. J'ai été outré par ce boss fight. Tous ceux qui sont chauds pour revenir dans la vocale. Le boss fight était exceptionnel. Franchement, c'est un des préférés. Après, celui Beneviento. Ben, en fait, je dis ça, mais en vrai, Beneviento. Beneviento, c'est pas vraiment un boss fight, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merde. Ce boss fight, les gars, je vais vous laisser. Hein. Parce que, en même temps, j'essaye quand même de faire mon petit truc de mon côté. Mais du coup j'ai pensé à vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment faire, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont du cal sur le château. Moi j'attends quand même qu'il tourne. Voilà, comme ça. Voilà, normalement, si j'ai un pas trop de la tournée, elle va mettre un coup. Mais si j'y vais, il me fera un technique. Voilà. J'essaye de prendre le point de coup. Donc, n'essayez pas de tirer sur la bestiole. Il faut directement tirer sur les Didi. Ok? Donc, ça sert absolument à rien de tirer. Sur le dragon, c'est le Didi qui va devoir prendre les balles. Voilà. Donc, c'est assez simple en vrai. Quand on est dans les airs, vous mettez une balle de snipe. Après, le snipe est quand même assez chaud à jouer. Si vous ne jouez pas en facile, vous n'aurez pas l'aide à la visée. Alors je ne suis pas avec l'aide à la visée, vu que là je ne suis pas en facile comme la première fois, car moi... Et Loan, la PlayStation 4 que t'as, la PlayStation que t'as, elle sert à quoi? C'est quoi? Non mais la PlayStation 4. Bah je sais pas moi. C'est une toi. Hey. C'est bon. Donc là elle va me... J'attends quand même toujours d'être à deux doigts de die. Hein. Quand je suis en rouge en TV pour commencer à me mettre mon sang. On s'en retrouve tout de suite un, comme ça on en a deux. Déjà plus de chimique, c'est bien. C'est pas Olaf. Mon avis, ça doit être un tryhard. Ah non, bah, dès qu'il veut jouer. En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est bien d'avoir le tryhard dans le jeu. Après, essayer de le battre au pistolet, faut que mon tir casse le chemin. C'est joli, il a fait jamais de la merde. Abandonne. La vie nous appartient maintenant. Oh. C'est joli, il a jamais fait de la reine. En vrai, c'est pas le boss le plus chaud que j'ai dans Resident Evil. On va faire la même chose que les deux. Après, le boss fight, niveau stylé. Je vais pas vous mentir, c'est le boss fight est assez bien. Donc là, normalement, on va se mettre dessus. Donc ça fait une nouvelle cinématique. Mais frère, il a une pique à 3D! Donc là, vous voyez, il va avoir le boss fight. Je sais pas jouer, non, mais le mec, il fait trop son ouf! Ne sois pas
Voilà. On peut rien faire. Là, elle va toucher. C'est quoi? Voilà. On peut rien faire. Non, je vais encore te montrer. Ici, c'est impossible à rien faire. Tu vas rien faire, le mec il en fight. Je mets une bonne tête et je mets un 200. Une grosse fight, les gars, et c'est eux. J'ai battu, j'ai pas vraiment tout ce que j'ai fait. Et c'est le bon de plus en bas. Essayez de concentrer. Parce que quand les gens, voilà, on l'a eu. Vous voyez, quand même, un peu la difficulté du boss. Hein, qui n'était pas très, 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 très simple. Je parle pour toi, ma grande. Chut, toi. Là, on va faire les modalités. On va déjà avancer pour demain. J'avoue. Voilà, un skin. Un skin, un nouveau personnage mort. Et là, vous avez le bocal de la tête de Marie. Voilà, la tête de Rose, Rose Marie. Voilà. Et donc, bocal étrange, c'est bien la tête de Rose Marie. Donc, voilà, maintenant que vous avez fait ça, allez quand même fouiller ces petits battes. Il n'y a pas de horde à faire. Voilà, sauvegardez ici. Non, sauvegardez. C'est bien. Donc, là, regardez, j'ai fabriqué un truc un peu fou. Donc, ici, il va juste falloir. La ferraille, blablabla. Donc voilà, ici, c'est si vous avez. Si, quand vous aurez la manivelle, c'est revenir ici pour faire ça. C'est toujours un objet qui va pas vous servir. Si c'est des chiottes à ouvrir, mais c'est un fou. Donc voilà, repassez par là. Passez là. Et là, si vous êtes en mode néo, mais comment on va faire je vous explique. Vous voyez, ici, il faut pas de clé. Faut juste y aller dedans. Voilà. C'est débile, hein, mais c'est vrai. Là, on va entendre la dame. Nous vous demandons depuis les... Voilà. On passe bien sûr toutes les signées, car... Voilà, c'est tout va bien. Et nous avons la clé fœtus de Zelle. Et là maintenant la clé elle est, on la met et on peut déverrouiller et nous avons terminé El Famoso Château. Est-ce que ça vous a plu ce petit tuto que je vous ai fait en 48 minutes, hein, plus d'une demi-heure, mais au moins vous avez un petit guide pour le château. Ici on va aller le lieu de cérémonie, on va quand même avancer jusqu'au duc, car après, moi aussi je vais me stopper, je ne vais pas avancer, car sinon je vais encore vous faire d'autres épisodes, hein. Je vous jure que je ne veux pas arrêter, moi, si je continue, donc on va juste... les licornes, un jour, je ne m'en fous. Je vais me faire chez vous, bande de licornes de merde, là. Donc là, passer comme ça, moi je passe... au calme, hein. Je m'en fous un peu des objets, mais après il y a plein d'objets. Voilà l'hôtel, il faut donc là on voilà. Je me doute. On va passer, donc là on sait que le crâne c'est que le bocal c'est le bocal de la tête de Rosemary Winters.
Donc tu poses la, vous posez la tête, vous avez une cinématique, on s'en fout. Ça, allez la voir sur mon Let's Play. Donc vous voyez, on peut toujours, je peux toujours acheter le truc. Hein. Juste ici, on va voir si je peux vendre. Ouais, je peux vendre un buste customisé, un Dimitrescu, une bague en argent, rouge à lèvres, et c'est bon. On a de nouveau 30. Dimitrescu, belle même dans la mort. Ce tour de taille, oui. Et du coup, si vous souhaitez améliorer vos armes, faites-le moi savoir. Pour cet épisode de, on va dire une heure, ciao. Revenez quand vous voulez.